Te mets dans la présence de Dieu. Lift your hand into the presence of the Lord. Et nous avons nos yeux fermés. And we will close our eyes. Que tu vas prier avec moi. Que tu vas dire à Dieu. And you say to your God. En son esprit cet après-midi. By his spirit this afternoon. De te parler. To speak to me. Je veux entendre des gens qui sont en train de prier. I want to hear people that are praying. Et demande à Dieu. Asking God. Parle-moi cet après. Speak to me this afternoon. Et vous frère, mon frère qui spirituelle and to be spiritually était également fertility, it's
la volonté parfaite de Dieu, the perfect will of God, pour qu'un enfant de Dieu for a child of God, soit fécond sur le plan spirituel. Be a fertile spiritually. Que c'était le plan divin de Dieu. It was the divine plan of God. C'était le commandement divin de Dieu. It was the divine command of God. C'était un ordre direct de Dieu. It was an order coming from God. Pour que les personnes humaines so the human being puisse être fécond, so should be fertile, pour qu'ils soient bénis, for them to be blessed, et se multiplier, and to multiply themselves. Alors le deuxième dimanche, so the second Sunday, nous avons commencé par comprendre, we started to understand, c'est que nous avons dit qu'il y avait trois sources. That we said that there is three sources. Comment est-ce que c'est Dieu tout puissant? How this powerful God qui dit aux enfants de Dieu who said to the children of God d'être fécond, to be fertile, d'être béni, to be blessed, et d'avoir la capacité, and to have the ability, de multiplier, to multiply tout ce qu'il y a dans leur vie, everything that is in their life. Mais les enfants de Dieu, but the children of God, la plupart étaient incapables, so most of us are unable, de multiplier les choses dans leur vie, to multiply things in their life. Nous avons dit qu'il y avait trois éléments importants, so we said that's three important elements, qui empêchaient les enfants de Dieu, that prevent the children of God, à être bénis de Dieu, to be blessed from God, à être fécond de la part de Dieu, to be fertile from God, et à se multiplier, and to multiply. Parce que la vraie bénédiction, because the true blessing, la vraie fécondité, the true fertility, la vraie multiplication, the true multiplication, ne vient que de Dieu. Only comes from God. Alors parmi ces trois sources, so among those three sources, la première de source, so the first source, nous avons dit était, we said that it was, qui empêche les enfants de Dieu, that prevent the children of God, à être bénis, to be blessed, à être fécond, to be fertile, et à se multiplier, and to multiply. C'était la désobéissance à la it was Dieu. Disobedience from to donc la première source en quelque sorte, so the first source somewhere, de beaucoup de malédictions dans la vie des enfants, so many curses in the children of God's life, ne venait pas de sorciers, doesn't come from the witchcraft, ne venait pas des magiciens, doesn't come from magicians, elle venait de Dieu lui-même. It only comes from God himself. À partir du moment où les gens n'obéissent pas à la voix du Seigneur, from the moment that the people doesn't follow the voice of God, c'est impossible que ces gens-là soient bénis. It's impossible for them to be blessed. C'est impossible qu'ils soient féconds. It's impossible for them to be fertile. C'est impossible qu'ils se multiplient. It's impossible for them to multiply. Alléluia. Alléluia. Parce qu'en réalité, pour être fertile, tu dois être béni de Dieu. Because in reality, for you to be fertile, you have to be blessed from God. Mais pour être béni de Dieu, and for you to be blessed from tu dois être obéissant. You have to be obedient. Donc la désobéissance, so disobedience, était la première de source, is the first qui empêche les enfants de Dieu, that prevent the children of God, d'être bénis, fécond et se multiplier. To be blessed, fertile, and to multiply. Alléluia. Alors cet après-midi, nous voulons voir la deuxième source. And this afternoon, we want to see the second source, qui empêche les enfants de Dieu, that prevent children of God, de manière momentanée, pas définitive. Momentarily, not permanently. Yes. De ne pas être fécond. For them not to be fertile. Et nous avons dit que c'était l'école de Dieu. And we say that we call this the school of God. Et parce que cela venait également de Dieu. Because it also comes from God. Alléluia. Genèse chapitre 11. Genesis chapter 11. Yes. Nous tournons nos livres rapidement. Let's go into our Bible quickly. Genèse chapitre 11. Genesis 11. Yes. Genesis chapter 11. Genèse 11. Verse 30. Verset 30. Alléluia. Je lis la parole au nom du Seigneur. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. But Sarai was barren. She had no child. Est-ce que quelqu'un vit cela? Quelqu'un vit ça dans sa vie? Genèse 11, 30. Écoute également parce que nous avons dit que nous allons introduire avec des versets. We want to introduce our today's preaching with verse. Genèse chapitre 18. Genesis 18.
le verset 11 verse 11 jusqu'au verset 14. Up to 14. Est-ce que nous sommes arrivés? Are we there yet? La Bible déclare ceci. Je lis la parole au nom du Seigneur. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Le verset 14, la Bible continue en disant ceci. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Alléluia. Amen. Tu peux prendre place. You can be seated. Et tu peux acclamer le roi. Applaud for the Lord. Amen. 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 Nous venons de lire des versets dans le livre de Genèse. So we read two verses in the book of Genesis. Le thème que nous sommes en train d'exploiter. So the theme that we are going through. Pour ce mois de septembre. For this month of September. C'est un thème assez profond et capital. Et nous avons dit le dimanche passé. And we saw last Sunday. Beaucoup d'enfants de Dieu. Many children of God. Ne sont pas bénis de Dieu. Are not blessed from God. Ne sont pas féconds de la part de Dieu. Are not fed from God. Ne peuvent rien multiplier dans leur vie. And they cannot multiply anything in their life. À cause de la désobéissance. Because of disobedience. Laisse-moi te souligner cet après-midi. So let me underline this afternoon. Une première désobéissance. So the first disobedience. Des enfants de Dieu. Of the children of God. Ce n'est pas la boîte de nuit. It's not nightclub. Mais c'est le manque de respect de venir dans la présence de Dieu. It's the lack of respect coming. Dimanche comme celui-ci, a Sunday like today, pour être enseigné. For us to be teach, pendant que hier samedi, our last Sunday, tu étais dans une fête, we've been party, tu étais en train de danser, we've been dancing, tu étais en train de danser. We've been, mais pour venir à l'église du Seigneur, to church, être enseigné de la part de Dieu. Parce que lorsque tu enseignes de la part de Dieu, teach, la parole de Dieu, the word of God, elle est esprit et vie. Spirit and lorsque spirit touche ton âme, when you touch ton your soul, âme est bénie. Your soul is blessed. Lorsque ton âme est bénie, and when your soul is blessed, le reste des choses dans ta vie, anything in your life, est également béni. Will be blessed as parce well. Que c'est dans le plan de Dieu. Because in the plan of God, c'est le souhait de Dieu. Is the wish of God. Lorsqu'il dit dans sa parole, when he says in his word, bien aimé, my beloved, je souhaite, I wish, mon souhait, my wish, l'Éternel des armées, the God of mighty, pour toi ma sœur, for you my sister, pour toi mon frère, for you my brother, moi Dieu, me God, le Créateur. Du ciel et de la terre. Je souhaite que tu sois béni, that you be blessed, et que tu prospères, and that you prosper, en tous ces cas, in all things, qu'on prospère, as you prosper, l'état de ton âme. En réalité, la bénédiction de so Dieu ne commence pas de manière extérieure, start from the external, mais doit commencer de manière intérieure. Start inside you. C'est en toi. Que la bénédiction de Dieu commence. Will start. Or, la bénédiction de Dieu ne peut pas commencer dans ta vie in your life si tu ne t'approches pas if you don't de celui qui bénit. The one that bless. Alors celui qui bénit, the one that bless, ce n'est pas ton père, is not your father, ce n'est pas ton pasteur, is not your pastor, mais c'est Dieu. God. Comment est-ce que Dieu bénit? Ah, God bless. Dieu bénit God bless à travers through de sa parole. Word, qui est proclamé, qui est déclaré sur la vie de son peuple. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Donc la première des désobéissances des enfants de Dieu, ce n'est pas la boîte de nuit. It's not nightclub. Ce n'est pas la boîte. It's not ce n'est pas la bière. Beer, parce que lorsqu'il néglige de venir dans la présence de Dieu, lorsqu'il néglige l'enseignement de Dieu, de manière exprès, so, il peut vaquer à ses occupations. He can go and do his own mais quand il s'agit de choses de Dieu, when it comes to the things il commence à trouver des excuses ailleurs. He can start having
Laisse-moi te rappeler cet après-midi. Tu ne seras pas béni. You will not be blessed. En d'autres termes, so in other words, ta vie à toi, your life, elle sera une vie your life, de la stérilité spirituelle. Spiritual barrenness. Alléluia. Parce que celui qui bénit, because the one that blesses, c'est Dieu. Is God. Et le Dieu bénit comment? And how God dans sa parole. Through His et word. Comment la parole bénit? And how the word lorsque blesses. Lorsque toi et moi nous écoutons, when you and I listen, nous obéissons à cette and parole. And we obey that word. Nous mettons cela en pratique. And we put that into practice. La parole commence à produire des fruits. So then the word will start to bear fruits. C'est la bénédiction. Of blessing. Dans ta vie. In your life. Alors en d'autres termes, les besoins que tu en as. So in other words, the parce que tu as écouté la parole de Dieu. Because you listen to the word of tu God. Tu as respecté à cette parole. And you respect that word. Tu commences à vivre maintenant le fruit de cette parole. You will start seeing bearing the fruit, living the la fruit. La Bible déclare dans le livre de Ésaïe. The Bible says in the book of Isaiah. Il dit ceci. He says this. Si vous êtes docile et obéissant. If you obey. Vous mangerez les meilleures productions du you pays. Will eat the best of food. C'est-à-dire dans chaque pays. So in any land. Dans chaque nation, in any nation, dans chaque continent, in any continent, dans chaque ville, in any city, je dis dans chaque continent, I say in any dans country, chaque pays, in any country, dans chaque ville, in each dans city, chaque quartier, or in any area, bureau, il y a de meilleures productions. There is best food. Mais les personnes qui ont accès à ces meilleures productions, the people that have access to the best food, les personnes qui peuvent en manger, and the people that can eat, ce sont les personnes qui sont dociles et obéissantes. The people that are obedient to the word of God. Alléluia. Tu peux faire semblant devant tout le monde. You can do. Mais ton cœur est fermé devant la parole. But your heart knows the word. Genèse chapitre 11. So Genesis 11. Le verset 30. Verse 30. Genèse 18. Genesis 18. 11 à 14. 11 to la Bible est en train de démontrer noir sur blanc. So the Bible is showing us black. Comment est-ce que Sarah était stérile? How Sarah was. Elle était dans l'incapacité. She was unable. De concevoir une grossesse. Dieu était au courant. Only God knew. De la stérilité. Of his barrenness. De Sarah. Of Sarah. Dieu était au courant. God knew. Que son serviteur Abraham. That his servant Abraham. N'avait pas d'enfant. Didn't have any child. Mais le même Dieu but that same God qui a fait appel à Abraham, that called Abraham en disant à Abraham, saying to Abraham, je te bénirai, I will bless you, je montre ton nom grand, I will give your name, I will give your name. Il va dire à Abraham, he says to Abraham, sors de ta tente, come out from your Abraham sort de sa tente, Abraham come out of his tent, il dit à Abraham, and he says to Abraham, regarde dans le ciel, look on heaven. Abraham leva la tête. Les enfants que moi Dieu, je te bénirai, je te donnerai. Dieu voulait faire entrer Abraham, so God wanted to make Abraham dans la dimension illimitée. Into the unlimited dimension. C'est la première personne. Is the first person. Selon le plan de la bénédiction de Dieu. According to the blessing of God. Dieu veut faire goûter à sa dimension illimitée. God wanted to show him his unlimited blessing. Dieu a créé le temps. God created time. Mais Dieu ne vit pas dans le temps. But God doesn't live in that time. Mais Dieu vit en dehors du temps. God lives outside the time. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Dieu a créé le temps. God created the time. Il y a un début, une fin. There is a beginning and an end. Il a pris l'homme. But he took the man. Il l'a placé dans le temps. And he put him inside the time. Il a dit trois femmes. He said you woman. Trois hommes. You man. Tu as un début. You also have an end. Mais moi, Dieu, but me, God, le créateur du temps, the creator of the time, je vis en dehors du temps. I live outside the time. C'est pourquoi on l'appelle. So that's why we call you éternel. Eternal. Alors il a voulu faire goûter à Abraham. So he wanted to test Abraham. Cette dimension. That dimension. De vivre. To live. En dehors du temps. Outside the time. Dans la dimension. In the dimension. De bénédiction. Of blessing. Sur le plan du fruit des entrailles. On the plan of the womb. De manière illimitée. So unlimited. Pas de fin. Not end. Pas de limite. Not limit. Pourquoi? Why? Il dit, je t'appelle toi Abraham. He said, I call you Abraham. Je te bénirai. And I bless you. Et lorsque Dieu prononce la bénédiction, la parole est l'esprit et vie. Because the word is spirit. L'affecte ton âme. Affect your
Espèrement fécondation de plantes spirituelles. Tout ce que tu touches est béni. Tout ce que tu touches se multiplie. Tout ce que tu touches s'ouvre. Tout ce que tu touches avance. Tout ce que tu touches progresse. Tout ce que tu touches va de l'avant. Tout ce que tu touches change. Tout ce que tu touches reçoit la vie. Tout ce que tu touches reçoit la joie. Tout ce que tu touches reçoit le bénissement. Tout ce que tu touches reçoit un témoignage nouveau de la part de Dieu. Ça c'est Dieu. Maintenant le problème que nous vivons. Pourquoi nous ne sommes pas dans la dimension d'Abraham? Alléluia. Parce que la Bible dit Abraham est notre père dans la foi. Pourquoi tu n'opères pas dans la dimension d'Abraham? Why you don't operate in the same dimension? Alléluia. Maman, my mom, j'arrive dans ce pays. According to this country, in this country, j'ai étudié en France, I studied in France comme électrotechnicien. As an électrotechnicien? Yes. J'arrive, je dis, je ne veux plus aller faire des installations, je veux changer, je veux faire le management parce que j'aime bien parler. Par la grâce du Seigneur, j'ai fait, j'ai fini. Quand les pensées ne cessent de tourner dans ma tête, le Seigneur, tu m'as appelé maintenant comme pasteur, je ne veux plus faire le management, je veux maintenant conseiller des gens, je trouve un nouveau travail. Et non, c'est quoi la langue que tu manages avec ma Comme professionnel thérapeute. Je dois être formé pour travailler avec des gens malades. Alors, pour être formé, tu dois encore retourner à l'école. So for you to be trained, you have to go back. Le travail que j'ai trouvé, c'est dans NHS, National Health Service. Je vais là-bas, on me dit maintenant, il faut t'inscrire encore. Pour avoir un diploma professionnel. For you to have a alors, il y a des mots techniques précis, pas faciles à retenir. There is really technical words, not easy to retenir. The code, ça c'est l'autre. Comment est-ce qu'on va s'en sortir de cette situation? How can I go beyond this situation? Le Seigneur m'a dit. The Lord told me. Fais mon travail. Do my work. Moi, je ferai le reste. I'm going to do the remaining. Tu n'as pas compris. You didn't understand. Je posais une question à Dieu. I ask God. Tu ne sais pas poser une question à ton Dieu. If you don't know how to ask God for a question, je vais te montrer. Let me tell you. Ce n'est pas la seule question que tu sais de poser. Because the only question that you know. Quand est-ce que tu vas aller dans une fête? When I'm going to go to a party. Moi, je sais poser une question à Dieu. But me, I know how to ask God for a question. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? I said, God, how am I going to be able to go out? God told me, do my work. Je vais t'occuper de reste. And I will take care. En fait, comme le travail que je suis en train de faire, le work that I'm doing as a pastor. I don't waste my time. Toi qui es absent. You are absent. C'est ça qui perd ton temps. You are not wasting your time. Moi, je suis appelé le fait d'être. Because I have been called. Et tu sois par exemple absent. Moi, j'ai fait. For you to be absent or not. Je rentre là-bas, c'est technique, je rentre plus de médecine. So I went there, the work was very technical. Mon témoin est là. This is my test, my witness. 100% en anglais, 90. 100% en anglais, 90. Sur mathématiques, sur 194. Mathématiques, 94. Elle me pose la question, papa, comment est-ce que tu as eu ça? She asked me the question, how did you get those scores? Faut demander à Dieu. I said, ask God. Est-ce que tu peux acclamer le roi? Dieu va te distinguer en multipliant ta sagesse et ton intelligence. You don't have to do any efforts. Quand tu es dans l'essence, when you are in obedience, tu es béni de Dieu. You will be blessed from God. Tu te deviens fécond. You become fruitful. Même ton intelligence, papa. Even your intelligence se multiplie. Will multiply. Monte à un niveau supérieur. It will go up from one level. En fonction des situations que tu viens confronter. According to the situation that you're going through. Alléluia. Daniel chaque année. Daniel every year. À Babylone. In Babylon. Dieu le mettait le chef des sorciers de Babylone. God was putting him on top of the chief of the sorcerers. Daniel demeurait dans la présence de Dieu. The more Daniel was dwelling in the presence of God. Dans l'obéissance et dans la crainte de Dieu. Fear of God. Plus Daniel était très intelligent. And the more Daniel became wise. Plus Daniel avait la capacité. And he had the ability. De comprendre le langage de Dieu. To understand the language of God. Alors le deux versets que nous venons de lire. So here the two verses that we read. Dieu t'appelle papa. God is
qui te dit que tu seras béni, fécond, il va te multiplier. He said that he will bless you, multiply. Il va laisser Abraham plusieurs années. But he will leave Abraham so many years without any children. Il va laisser Sarah sa femme. He will leave Sarah his wife plusieurs années, many years sans enfant, without any children. Il va venir maintenant lui rendre visite. And he will come to meet him. Dans la forme, il met la forme angélique. Il dit, tu enfanteras un enfant, un fils. And that you will have a son. Sarah va rigoler. Sarah will laugh. C'est been a long time since you said that. C'est un moment, mais c'est pas grave. Alléluia. Ah, mais ça fait très longtemps que tu as dit que je vais avoir un enfant. Mais jusqu'à présent, je ne peux pas. Et d'ailleurs, je viens te signaler, toi Dieu, que mon Seigneur, quand il parlait de son Seigneur, il parlait de son mari en fait, Abraham. Vous savez, les femmes dans cette époque étaient vraiment soumises, respectueuses. Ce n'est pas les femmes aujourd'hui qui sont les femmes à l'époque c'était vraiment soumises. Ça veut respecter les hommes parce que de nos jours aujourd'hui, il y a un taux élevé des hommes battus. Les hommes sont très battus à la maison. Mais quand elle est devant les autres femmes, mon frère, tu n'arrives pas à contrôler ta propre femme. Tu ne peux pas contrôler ta propre femme. Tu vas ouvrir ta bouche. Quand tu ouvres ta bouche, tu vas tout d'un tout droit. Une autre femme est bêtise dans le monde. Quand elle va se faire, quand tu vois d'autres femmes, tu peux parler. Avec ta propre femme, tu n'arrives pas à parler. C'est tranquille. Ce livre-là, c'est le temps. Pourquoi moi j'enseigne ici de femmes? But now I want to teach women. J'enseigne ici. I am teaching women, sorry. Les femmes être soumises. The woman has to be submissive. To respect their husband. Les femmes. And the husband to love their wife. Amen. Il dit que mon Seigneur est vieux. He said that my Lord is old. Elle va rigoler. And she laughed. Mais là Dieu ne pose pas la question à Sarah. God didn't ask Sarah. Vous avez remarqué le verset? Il pose la question à Abraham. You will notice that verse he will ask Même Dieu Abraham. Considère que l'homme est le chef de la femme. Even God considers that the man Même is Dieu the chief of the woman. L'homme est le responsable de la femme. God knows that the man is the responsible of the woman. Il dit pourquoi ta femme me rigole? He said why your Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose d'impossible à moi? Is it impossible for me? Parce qu'en réalité, Sarah réfléchissait en fonction de ton stop. Because in reality, Sarah was thinking. Amen. Elle réfléchissait en fonction de temps. She was thinking about our time. Elle disait, nous sommes déjà vieux. She said, we are already old. Avance à l'âge. We are advanced in age. Nous ne pouvons rien faire. We cannot do it. Mon Seigneur, mon mari. My Lord, my husband. Il est déjà vieux. He's already old. Le Seigneur dit, il n'y a rien de possible avec toi. But God said, there's nothing. Il dit, pourtant marqué. At the appointed time. Je reviendrai à telle période. I will come back. Et tu auras un fils. And you will have a child. Alléluia. La question première est celle-ci. So the first question is this. Dieu qui appelle Abraham. God had called Abraham. Abraham qui était marié à sa femme Sarah. Abraham that was married to Sarah. Dieu a dit, je te bénirai. He said, I will bless you. Je te bénis. And I bless you. Present tense. Le présent. Je te bénis. Le présent tense. Je te bénirai. I will bless you. Chemin faisant. So as we are walking along. Amen. Osola là, c'est pas comme ça. Mais t'as pas beaucoup de réussite. Amen. Écoute. Listen. Alors, je te bénirai. Je te bénirai. I will bless you. C'est-à-dire, chemin faisant avec toi. So walking along with you. Je veux voir comment est-ce que tu vas marcher. I will see how you walk. Plus tu marches dans la fidélité. The more you walk in faith. Je te bénirai. I will bless you. Et Dieu est revenu maintenant. And God's come back to him. Il a trouvé Abraham et sa femme dans la fidélité. And we find them in faithfulness. Il a dit, je vais encore revenir. And he said, I will come back. Au temps marqué que je promis. At the appointed time that I promised. Je vais bénir ta femme. I will bless your woman, your wife. Et c'est parti. And the Lord went. God went. Écoute maintenant le Genèse 15. So listen now to Genesis 15. Yes.
Elle dit ceci dans verset 15:5. 15:5. Je l'ai dit tantôt, il dit ceci. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Telle sera ta postérité. So shall be of the same. La question maintenant est que Dieu dit, so the question that God je te bénirai, I will bless you. Je te rendrai fécond. Tu vas te multiplier. And you will multiply. Mais Abraham a pris tellement du temps. Abraham took so much time. Abraham a pris tellement des années. So much years. Pour voir la concrétisation. For him to see de la bénédiction que Dieu avait déclarée. The blessing that God proclaimed. Quelle est cette bénédiction? What was that blessing? D'avoir un fils. For him to bear a son. Pourquoi Dieu? So why God? Va permettre à Abraham et à Sarah. Will allow Sarah and Abraham. Si long moment to have this long time avant d'avoir touché à la bénédiction before they can touch the blessings d'avoir un enfant to bear a child. Pourquoi? Why? Parce que l'enfant qui venait because the child that was coming il venait selon la promesse de Dieu was coming according to the promise of God. Or lorsque Dieu promet or when God promises il y a le temps de l'an. Il y a aussi le temps de Dieu. Mais j'aimerais que cet après-midi tu puisses comprendre quelque chose. So you want to understand something certain. Quelle que soit la chose que tu peux traverser dans ta vie. No matter the thing that you're going through. Quel que soit le temps que la chose peut prendre. And how long will it take? Si cela est la promesse de Dieu. If it is the promises of God. Et que toi en as inconscience. And you will not truly. Avec toute humilité. With all humility. Que tu sais que tu es dans la présence de Dieu. You know that you're in the presence of God. Comme Abraham. As Abraham. Ne force pas les. Don't force. Ne force pas les choses. Don't force the things. Ne regarde pas ton âge. Don't look at your age. Ce qui tue beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui. What kills so many young ladies today? Ça regarde comme ça. They are looking. The world is looking at Sarah. Elle regarde comme ça. They are looking at Sarah. Elle pense comme ça. They are thinking like Sarah. Elle réfléchit comme ça. They are thinking like Sarah. Elle dit je te rends compte. I'm 40 years old. J'ai 25 ans. I'm 35 years old. Je n'ai pas de fiancé. I'm not a fiancé. J'ai 45 ans. I'm 45 years old. Il n'y a personne. No one. Ah, alors maintenant, qu'est-ce qu'elles vont faire? So what now they're going to do? Elles vont quitter l'obéissance dans la présence de Dieu. They will leave the obedience of God. Le seul élément le connectant avec Dieu. Which was the only element that was connecting them with God. Pour être béni de la part de Dieu. For them to be blessed from God. Pour être fécond de la part de Dieu. For them to be fruitful from God. Elles vont quitter la présence de Dieu. So they will leave the presence of God. Parce qu'elles pensent comme ça. Because they think like parce qu'elles réfléchissent comme ça. They are looking at Sarah. Parce qu'elles regardent comme ça. They are looking at elle s'assoit comme ça. They are sitting like elle dorme comme ça. They are sleeping like elle dit, je suis déjà vieille. I am already old. Je suis avancé en âge. I'm already advanced in je peux même me donner chez un païen. I can even give myself to a pagan. Take me freely. Sarah, do everything you want. C'est les femmes d'aujourd'hui. That's the ladies of today. Et ces femmes-là and those women, ne sont pas dehors. They are not outside. Ils sont dans l'église de Seigneur. They are in the church of the Lord. Parce qu'elles réfléchissent comme ça. Because they are thinking like parce qu'elles regardent comme ça. Because they are looking like Sarah. Sarah, quand est-ce que cet enfant viendra? Sarah, so when that child will come? Je suis déjà vieille. I'm already old. Mon mari est aussi vieux. My husband is also old. And they are still out there strong. The strength is back. Fort, is it is because his strength in the back? Je ne pense pas. I don't think so. Moi et mon mari nous sommes vieux. My husband and myself are old. When I'm gonna have children? C'est le trouble aujourd'hui. Is the trouble today? C'est la confusion aujourd'hui. Is the confusion dans la vie des jeunes femmes. In the life pour of beaucoup de jeunes femmes. So many ils ont commencé bien avec Dieu. They started well with God. Beaucoup de jeunes femmes. So many young ils ont commencé dans la crainte de Dieu. They started with the fear. Beaucoup de jeunes femmes. So many ladies. Ils ont commencé avec un amour sincère avec Dieu. Beaucoup de jeunes femmes. So many young ladies. Ils ont aimé Dieu. They love God. Beaucoup de jeunes femmes. So many young ils avaient la vérité dans leur bouche. Beaucoup de jeunes femmes. So many young ils avaient respecté Dieu. They knew to respect. Beaucoup de jeunes femmes. So many young ils savaient respecter la parole de Dieu. To respect the word of God. À cause de voir. Because of à cause de regarder. Because of the look. Le chance de ce monde. Of the things of the world. Avec le regard de Sarah. With the look of Sarah. C'est pourquoi lorsque Dieu est venu lui parler. So elle a commencé à rigoler. She started laughing. Hey, hey, am I gonna
get married. Everyone already run away. Tous les amis sont partis. So all my friends already run away. My beloved. Ne force pas les choses. Don't force things. Ne brûle pas les étapes. Don't burn steps. Ne te donne pas gratuitement. Don't give yourself freely. Ne te vends pas gratuitement. Don't sell yourself freely. Vous savez, une des causes des pasteurs ne sont pas respectés. So you know why the pastors are not respected? Parce que la plupart des sœurs à l'église du Seigneur. Because many sisters in the church. Ils sont saintes à l'église. They are all in church. Mais dehors là-bas. But outside. Elles ont déjà vendu leur vie. They already sold their life. Comment est-ce que Sarah vendit sa vie? How did Sarah sold her life? À cause de l'impatience, frère. Because she was impatient, my brother. La femme va prendre. The wife will take. Son propre mari. His own husband. Enlève-moi ce secret. Va prendre son propre mari. She will take her own husband. Va le donner. Go and give. À sa servante. To a servant. Vous comprenez quelque chose? You understand something? Va prendre. She will take. Son propre mari. Her own husband. Qu'on partage l'intimité. The one that we share the intimacy. Puisque c'est Dieu la part. Because that God is taking time. Ça dit Sarah commence à quitter un peu la voix de l'enfant. So Sarah was already leaving the path. Elle ne croyait plus. She didn't believe. Sarah n'avait plus le deux pieds de temps. She didn't have the two feet in Christ. Elle était un pied dehors. She was one foot outside. And the other foot inside. Elle a donné son propre mari. And she would give her own husband. Le mari part. So the husband would go. À côté de moi. And she will have a two-year-old. Le mari and that Sarah regarde. Abraham started loving that child. Abraham started loving that child. That's how he look. Le slave commence à me bouder. The slave starting now. Mais sans cela, comment? Without even knowing. C'est à cause d'elle. It's because of her. Qu'elle a donné sa plantation privée. She gave a private. Oh, ma maman, ma. You're taking my wife. Vous allez viser la montre. And you give it to someone. Hein? Hey. Qui peut pas prêter son mari? Who can give his husband? Who can borrow his husband? Hey! Hey! You cannot rent your wife. Someone who prays for your husband. Jesus. But then she will rendre compte. And she realize that she commits a mistake. Pour le trouble que nous avons aujourd'hui. So all the trouble that we have today. Il a fallu qu'on puisse avoir seulement un enfant de la promesse. We should have a child of the promise. Isaac. But now Ismail came. C'est pourquoi on veut détruire les chrétiens aujourd'hui. C'est pourquoi. That's why they want to destroy the Christians of today. C'est à cause de ça. Vous comprenez quelque chose? C'est très dangereux. It's very dangerous. Alors beaucoup des enfants de Dieu. So many children of God. Ils ont commencé bien avec they Dieu. They started well with God. Ils ont commencé à aimer Dieu. They loved God. Ils ont commencé dans la crainte de Dieu. They started with fear of God. C'est parce qu'ils ont mis à regarder les choses. It's because they had to look of the thing outside. Ce chose de devant, maman. What is the thing outside, my dear? Le travail. Work. L'argent. Money. Les enfants. Children. Surtout le mariage. Especially marriage. Il y a une seule chose qui trouble la vie des jeunes. There is one thing that troubles the life of the young ladies. It's marriage. Bien-aimé. My beloved. Moi, je connais des femmes à 40 ans. I knew a woman at 40 years. Une femme, trois enfants, moi, tu sais. Three children, and that's it. Amen. 40 years. 40 ans. For the first time in marriage. Première fois en mariage. Trouble kids. De triplé. Match vendu dans tout. So now it's total. Tu ne peux pas te donner comme. You don't give yourself. C'est pas si tu comprends. I don't know if someone understands. De toutes les doléances que nous les passeurs nous avons. In the all the requests as passeurs that we receive. Celui qui vient en premier. The first one. A passé les jeunes femmes. Is the young ladies. Mais demain on se pose les problèmes. What they ask? What is the issue? Marriage. Et nous sommes en train de leur dire. But you are telling to those young ladies. Chaque chose à son temps. Everything at its own time. Tu ne peux pas par manque de maîtrise de soi. You cannot the lack of self-control to give yourself freely. Tu l'as regretté. You will regret it. Sarah a regretté. Sarah a regretté. Sarah est morte et partie. Sarah is dead. Abraham est morte et partie. Abraham is gone and. Aujourd'hui, Israël continue à combattre. But today, Israel is still fighting. Surrounded by the Arab nation, who's looking to destroy them. Why? Sarah. Because Sarah. Avait donné son. She gave her husband. Tu vas te donner gratuitement. You will give yourself freely. Parce que tu crois que ça prend du temps. Because you're thinking that it's taking time. Tu crois que ça prend du temps. It's taking is a delay. Ça c'est par rapport à ton raisonnement. That is because you are only. Mais selon Dieu. But according to God. Ce que tu as promis. What he promised. Ne peut pas te donner selon ton temps, papa. He will never give you according to your time. Dis selon mon temps.
nor to my time. Même la grâce de la prière que j'ai. Even the grace of the prayer that I have. La volonté de Dieu. Cannot change the will of God. Si il a décidé à un certain temps. If he decides at a certain time. Ça restera sur nos mandats. J'apprends aux hommes aujourd'hui. So I want to teach to them. De savoir attendre le temps de Dieu. To know how to wait for the time of God. Le temps de Dieu. You depend on God. Et lorsque la promesse arrive, and when the promise comes, tu vas te réjouir. You will rejoice. Parce que la promesse de Dieu, when the promise of God, c'est comme du miel. Is like honey. Amen. La promesse de Dieu, the promise of God, c'est comme du miel. Is like honey. Quand tu mets le miel, papa, when tu suces le miel, the onion suck, même si le miel finit, even if it's finished, ça te laisse toujours un arrière-goût sucré. It will give a taste of. Mais quand toi tu forces les choses, when you force things, c'est comme si tu as une échecope. Is that the one you have? Je te donne 3 heures. I give you 3 hours. Je te donne 4 heures. I give you 4 hours. On va commander quand tu manges le chewing-gum. Is that okay? When you eat chewing-gum? Toujours la bouche ouverte. You eat chewing-gum open mouth. Faut que j'enchaîne des gens de bonne manière. I teach you for good manners. On ne marche pas comme ça. That's not how you chew. Tu marches avec élégance. You have to chew with elegance. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi ça? How? What is it? Good manners, please. Chewing gum. Chewing gum. Tu vois quelqu'un comme ça, tu le tapes à côté de lui. Ici, ça va, vas-y, alléluia. Maintenant, le problème avec les gens qui vont presser. But people that are going fast. Ils n'ont pas la bénédiction de Dieu. They don't have the blessing of God. Ils ont le chewing gum. They watch chewing gum. 1 heure du temps. 1 hour. 2 heures du temps. 2 hours. C'est sucré, hein. It's sugar. Quand tu quittes la présence de Dieu, and when you leave et tu retournes à le péché, and you come back to sin, tu donnes ton corps à l'impudicité. You give your body to immorality. Le sexe, sex, c'est très bon. Very good. Le sexe n'est pas le péché. It's not a sin. Il faut le faire de manière légale. We have to do it legally. Le sexe n'est pas un péché. Sex is not a sin. Il ne vient pas de Satan. It doesn't come from Satan. Il vient de Dieu. Comes from God. Et tu dois le faire selon les principes de celui. So you have to do according to the principles of God. En dehors de ça, ça devient mauvais. Outside. C'est-à-dire tu prends maintenant le chewing-gum. So you take now the chewing-gum. 1 heure de temps, tu te jures. It's very good. Ça faisait longtemps. It's been a long time. 1 heure. 1 hour. 3 mois. Tes amis t'ont trouvé. Et si bien, au moment où tu es en train de te maudire. Quand tu donnes le loup, c'est le premier qui se moque de moi. They are the first to smoke you. Après 6 mois. After 6 months. Le chewing-gum est sous le sucre à deux. The chewing-gum will finish is the sugar. Ça devient mauvais, qu'est-ce qu'il va faire? Come back. And then he drop you. Mais la personne qui a été patiente. And the person that was patient. La promesse c'est comme le miel. Promise is like honey. Pourquoi? Why? Dieu a dit je vous amènerai dans le pays où coule le lait et le God miel. God said that I will bring you into the land. Parce que le miel tu peux en finir maintenant. Because honey you can finish there. Mais ça tu sens. But you always have this. Ça fait toujours du bien. C'est lui qui a entendu la promesse de Dieu. And the one that wait for the promise of God. Va recevoir le miel. You receive honey. Et lorsque le miel vient. And when the honey comes. C'est du sucre naturel. It's a natural sugar. Le chewing-gum c'est de la choux, maman. Chewing gum is added. La promesse de Dieu. For the promise of God. Personne n'a rajouté quoi que ce no soit. No one can add anything. Elle vient directement de la poste de Dieu. Come directly from God. Elle est posée à toi. And it comes to you. J'avais tellement beaucoup à dire aujourd'hui. I have so many things to say today. Je citerai Juges 13. I will cite Judges 13:2-5. L'histoire de Samson. The story of Samson. La maman était stérile. The mother was also pregnant. Dieu savait. God knew. Dieu connaissait. God. C'est Dieu qui l'a visité en rendant cette femme féconde. He's the one who visited and gave her a child. Et a donné un fils. And gave her a son. Pour une mission. For a mission. Son fils c'était Samson. And the son was Samson. Dans 1 Samuel. In 1 Samuel. C'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Is God that made Sarah barren. Il lui a donné un fils. And then he gave her a son. Il l'a rendu féconde. She pour une mission. For a mission. Dans le livre de Luc. So in the book of Luke. Elisabeth, la femme de Zacharie. Elisabeth, the wife of Zachariah. Elle était stérile. She was also stérile. C'est Dieu qui connaissait sa stérilité. And God knew his barrenness. Dieu également l'a visité. God also visited her. A rendu cette femme stérile. And give her. A donné à Elisabeth. And she gave Elisabeth. La femme de Zacharie.
The wife of Zacharias. Et a donné à cette femme un fils. He gave her a son. Qui se nommait Jean, qu'on appellera Jean-Baptiste. The one that we call John the Baptist. De Abraham dans Genèse. From Abraham in Genesis. Qui était stérile. Who was also barren. Dans longtemps. For a long time. Dieu a donné un fils. God gave him a son. La promesse de Dieu. The promise of God. Isaac. Isaac. Nous allons dans le livre de Samuel. We look in the book of Samuel. Samuel 1er. First Samuel. Anne était stérile. I was also stérile. Je connaissais sa stérilité. And God knew it. Pendant très longtemps. For a long time. Dieu va le visiter. God will visit her. Va lui donner un fils. And he gave a son. Au nom de Samuel. At the name of Samuel. Which means. Dieu a donné. God has given. Plus loin, nous allons voir dans le livre de Juges. For the time we see in the book of Judges. La maman de Samson. The mother of Samson. Était stérile. She was also barren. Dieu connaissait. God knew. Dieu l'avait rendu stérile. God. Pendant un long moment. For a long time. Dieu l'a visité. God will visit her. Va lui donner Samson. And will give him Samson. Voyons dans le livre du Nouveau Testament. So in the New Testament. La femme Élisabeth. The woman Elizabeth. La cousine de Marie. The cousin of Mary. Son mari Zacharie. His husband was another. Elle était également stérile. Was also Dieu connaissait. God knew. Pas mal, non, non, non. Mais Dieu va le visiter. And God will visit. Va lui donner un fils. And will give him a son. Qu'on appellera Jean-Baptiste. And will call John the Baptist. Toutes ces femmes que nous venons de citer dans la Bible. All the women that we listed. Elles étaient stériles. They were all barren. Mais pas de la part d'un homme. Not from a man. Pas de la part d'une malédiction quelconque. Not from a curse. Elles étaient tous. They were all. Dans l'école de Dieu. On the school of God. Vous avez la bénédiction de Dieu. So the blessing of God. Faut savoir comment gérer ça. You need to know how to deal with it. Faut savoir comment gérer ça. How to deal with it. Faut savoir comment protéger ça. How to protect it. Faut savoir comment évoluer avec ça. And how to progress. C'est pourquoi Dieu donne un certain temps. So that's why God gives a certain lorsqu'il time. Lorsqu'il promet dans la vie d'une personne. When he promises someone's life. Il veut voir si la personne est prête. He will see if that person is ready. Recevoir la bénédiction. To receive the blessing. Le pouvant bien gérer ça. And to be able to deal with it. To be able to keep it. Premier point commun. The first point. De toutes ces femmes que j'ai cité. Of all those women that I cited. Sarah. Dans Genesis. La mère de Samson dans le livre de Juges. The mother of Samson in Judges. On n'a pas donné son nom. They didn't give her name. Dans le livre de 1 Samuel, Anna. So in the Anna in the book of avec Samuel, son fils et Samuel. With his son Samuel. Dans le livre de Luc chapitre 1er. And Luke verse 1. Elisabeth et son mari Zacharie. Elisabeth and Zacharias. Jean-Baptiste. John the Baptist. Le point commun. The common points. Ils ont demeuré dans la présence de Dieu. They dwell in the presence of God. Quel que soit le temps qu'il a pris. No matter how long it took. À part from Sarah, qui s'écartait, that went apart, lorsqu'il a réalisé son erreur, but when she realized her mistake, elle est sitôt revenue, she already come back, pour dire à Abraham, to say to Abraham, chasse cette femme servante, rebuke that servant. C'est-à-dire quand tu étais dans la présence de Dieu, so when you were in the presence of God, il va arriver à un moment donné, it can come also at a time, que tu t'écartes de droit chemin, that you go apart, mais Dieu ne veut pas que tu restes dans le péché. God doesn't want you to remain in the sin. Quand tu écoutes un tel message, and when you listen to that kind of message, Dieu veut que tu reviennes à la maison. God wants you to come back to his house. Retourne à la maison. To return to his house. Continuer. Because if you carry, on va t'amener à la mort. It will bring you to death. Déjà, tu es dans la mort spirituelle. You already spiritually dead. Parce que tu vis dans le péché. Because you live in sin. Et si tu continues, but if you carry, par petitesse, being stubborn, tu amèneras la mort physique. It will bring you sur le plan physique, a physical death. Tu deviendras aussi stérile. And you also become barren. Rien ne poussera. So rich. Rien ne poussera. Nothing will grow. Capable de reproduire. You'll be able to reproduce. Faire quelque chose. Dans le premier point de toutes ces femmes, so the first point leur stérilité ne venait pas de la condamnation, didn't come from any condemnation, ni de la sorcellerie familiale. Dieu a permis cela. God allowed comme étant une école spirituelle. As a spiritual school. Quand tu viens à Dieu, so when you come to God, attends toi à être brisé. Quand tu viens à Dieu, when you come to God, attends toi à être formé. Wait. Before. Quand tu viens à Dieu, when you come to God, attends toi d'être passé par le feu. So know that you will also pass through fire. Pour être purifié. For you to be purified. Les choses du monde. From the world of fear. For you to be ready. Pour servir Dieu. To serve God. Pour recevoir la bénédiction. To receive the blessing of God. Au cas contraire, beaucoup sont venus auprès de Dieu. Because so many come to God. Ont reçu la bénédiction de Dieu. Receive the blessing of les God. Les gens ont laissé cette bénédiction. They take the blessing. Dans le monde où ils étaient. And bring it to the world. Alléluia. Le deuxième point pour toutes ces femmes. So the second point for all those women. Qui étaient stériles devant la présence de Dieu. That was barren in the presence. Tous les enfants qui sont venus après. All the children that came after the barrenness. Tous ces enfants. All those children. Ils avaient une mission. They had a mission.
Aucun de l'âme en quelle mission. None of them lack their mission. Isaac avait une mission. Isaac had a mission. Nous le voyons dans la continuité jusqu'à la vie de Jacob. You will see it through the life up to the life of Jacob. Et dans la vie de Jacob, nous voyons parmi ses enfants de Jacob dans la lignée où Jésus est venu. So we see in Jacob's offspring, we see that Jesus came. Jésus est venu de la femme Marie. Jesus came from the woman Mary. Et sa cousine était Elisabeth. Her cousin was Elizabeth. Or, Zacharie était le cousin du prophète sacrificateur Aaron. Zacharie was the cousin of the prophet. Le frère de Moïse. The high priest Aaron, the brother of Moses. So they are a mission. Jésus devait venir de cette lignée. That Jesus was meant to come from that lineage. Pour que nous aujourd'hui puissions devenir enfants. For us today to be children of God. Acceptons Jésus-Christ. To accept Jesus Christ. Alléluia. Nous voyons dans Juges 13. So we saw in Judges 13. Samson avait une mission. Samson had a mission. L'ange vient voir la maman de Samson. The angel come and see the mother of Samson and say, le rasoir ne passera pas sur la tête de cet enfant. Blood will not go through his head. Parce que je vais le consacrer de devant. Because he's gonna be consecrated from the Lord. Sa mission sera pour aller taper le Philistin. And his mission will be to go and beat the Philistines. Parce que ça faisait 40 ans. Because it had been 40 years. Le Philistin. Le peuple de that the Philistine was mistreating the people of God. Dieu voulait mettre fin. So God wanted to put an end à cette trouble. To those struggles. Il va visiter une femme stérile. And he will visit a stérile. Que lui-même avait permis de cette femme soit stérile. That he himself allowed her. Samson. The angel. Samson était déjà consacré au moins de les ventres de sa mère. So Samson was already consacrated in the womb of his mother. Pourquoi Samson tapait les Philistins matin et soir. So that's why he was beating up Philistines day and night. Mais Samson mort par son erreur. Samson died by his own mistake. On a dit à sa maman, le rasoir n'est pas sur la face. He was told to his mother that the blade will not go in his head. Mais Samson alla chez le Philistin. But Samson, when he went to the Philistines, il va dévoiler lui-même son propre secret. He will disclose himself his own secret. Il tapait tellement le Philistin. Because he was beating the Philistine so much, no one could resist. C'était la mission que Dieu avait donnée à Samson. And which was the mission that God gave him. C'est quand Dieu libère la fécondité. So you understand that God, after he will give you. Tu as été très longtemps dans la sérénité. You've been so much time fidèle. So stay faithful. L'homme qui viendra te nourrir. The man that will come. La femme qui acceptera ta mère mariage. The wife that will accept your marriage. Sera la femme de ta vie. She will be the woman of the wife of your life. Vous comprenez quelque chose? So you understand something? Samson va aller là-bas chez les Philistins. Samson will go to the Philistines. Son blanc brûlé par l'amour. Because he will be in trouble by il va dévoiler son secret. He will disclose his own secret. On prend la tête de Samson. And they will tap. On met sur la cuisse. They take the head of Samson. La chaleur monte. Tape Samson. The wound. Samson va prendre la cuisse de David dans ton esophage. Samson will see the trouble like de la cuisse. Rejeter. Et tu sais, moi, mon secret est là. He said, me, my secret. So, le coup, c'est pas le secret. If you only cut my hair, oh, Samson. Beaucoup de hommes aujourd'hui. So many men today. On a coupé les cheveux. They cut their hair. Parce qu'ils étaient rentrés dans la maison de Dalila. Because they entered into the house of Dalila. Qui peut donner à sa fille le nom de Dalila? Who can give? You don't give it. They don't tell the name of Dalila. Dalila, pourquoi? They don't like to give. Une mauvaise femme. Because they know that she cut the hair of them. Beaucoup de hommes aujourd'hui, entre autres, so many men today, les hommes ont dit, especially the little men, they cut their hair. Les cheveux, papa. Because when they cut to your hair, l'autorité you will lose your divine authority. You will lose your divine protection. It was the same with Samson. Il va là-bas chercher des troubles. Sa mission était de taper les Philistins. His mission was to beat the Philistines. C'est ce qu'il faisait matin et soir. That was doing day and night. On ne l'a jamais dit. But he was not told. De dévoiler son secret. To disclose his secret. Dalila. But Dalila. Va lui mettre les boissons. She will bring drinks. Ça ne marche pas. It doesn't work. Il va prendre sa cuisse. She will take a tie. Il pose la tête de Samson. And he put his head on top. Ça sort de la cuisse. The heat will come out from the side. Samson n'arrive pas bien voir. Samson couldn't see. On lui pose la question. They ask him the question. Frère, ton secret c'est quoi? What is your secret? Parle-moi bien. Don't speak in tongues. Talk to me properly. Maman, là, ça va faire des garçons en couple les cheveux. So I'm wondering if you cut my hair. And she will cut your hair. Ses cheveux tombent. The hair falls. Le Philistin rentre le matin. The Philistine come in the morning. Samson fait comme ça. Samson will try. On le récupère. They will take him. On est encore là. And they will beat him like a child. Oui, they will even dans la vie. In life. Quand vous venez à
mission. When you come at church at la mission que Dieu m'a donnée. So the mission that God has given me. Je connais les talents de tout un chacun. I know all the state of soul. Je connais les talents de toute personne. I know all the state of soul of everyone. C'est ce qui me permet de rentrer en intercession de Dieu. So that will allow me to intercede for you. Comprenez quelque chose. De la sainte enfant. Un berger. So a shepherd. À la grâce. As the grace. Quand tu as la crainte de Dieu. When you have the fear of God. C'est juste spirituel. His spiritual eyes. Ses oreilles spirituelles. His spiritual ears. Sont ouvertes sur les questions de la vie des enfants. Are open to the question of the children. Comprenez quelque chose. De la sainte enfant. Alléluia. Alors quand je t'ai averti à faire quelque chose, so when I warn you to do something, je t'interdis de ne pas faire quelque chose. I forbid you to do something. Je ne le fais pas par sentiment. I don't do it by feelings. Moi, tel que je suis, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de camarades. I don't, the way you see me, I don't have any friends. Quand je finis ici, when I finish here, je rentre à la maison. I go back home. Demain, je vais travailler. Tomorrow, I go to work. Je finis le travail. I finish my work. Le personne que j'ai visité, c'est le membre de l'église. The person that I visited is a member of the church. Quand je le suis, ne fréquente pas une telle personne. So if I told you not to go with this person, je le fais à mes consciences en tant que ton père spirituel. I will do it as a spiritual father. Si tu te mets pas en garde, tu vas être dans le trouble et dans la confusion. If you don't follow, you will be troubled in confusion. En d'autres termes, je n'ai pas besoin de te dévoiler que telle personne est comme ça. I don't want to disclose to you that the person is this way. Dans la déontologie par ton loi, par ta soeur, il n'est pas permis. So as a person, I can't. Mais je le dis, fais attention. But you should be careful with that person. Parce que ton niveau spirituel, because your spiritual level, est tellement bas, tu risques d'être avalé par l'autre. À te corrompre. Parce que le mauvaise compagnie corrompt le bon compagnie. Comprenez quelque chose. C'est-à-dire, je t'enseigne à te garder, à te protéger. I am teaching you for you to protect yourself. Et à être à la fois discret de sauve de ta vie. And also to be discreet of something. Nous ne faisons pas de blagues ici. We don't joke. C'est la vie que je suis en train de communiquer. It's love that I'm giving you. Vous comprenez quelque chose? You understand something? Je communique la vie. I am giving life. À ton âme. To your soul. C'est que mon père biologique ne m'a pas donné. What my father didn't do. Mon père spirituel m'a donné. My spiritual father gave it to me. C'est que ton père biologique ne peut pas te donner. What your biological father c'est que Jésus en train de te donner. Is what I want to et c'est mon terrain de l'humain. And is above prends ça en considération. Take it into consideration. Et mets ça en pratique. And put it in tu verras la gloire de Dieu. You will see the glory of God. Mon plus grand souhait. So my big que wish tu sois béni. Is for you to be blessed. Que ta vie soit distinguée. For your life to be que ce que le Seigneur a fait dans ma vie. And what God has done in my life. Le fasse plus de 10 fois plus de 100 fois. So God can do tellement c'est ça mon souhait. Bigger than this, that's my wish. Samson n'était pas discret. Samson was not discreet. Il dévoile son secret. He disclosed his secrets. Vous connaissez son histoire. And you know his story. Comment est-ce qu'il a fini? How he ended up? Dans 1 Samuel, nous voyons Anne. So in 1 Samuel, we see Anne. Avec une mission. Samuel also had a mission. Parce qu'il est dans le temple de Dieu. Because in the temple of God. Le sacrificateur Élie. So the priest Élie. Avec ses enfants. As his own children. Qui venait voler l'offrande de Dieu. Who tried to steal the offering of God. Pour aller faire ses bêtises ailleurs. To go and do bad things. S'amuser avec les femmes. To go and. Et leur père connaissait les bêtises que leurs enfants faisaient. The father knew what the children were doing. Il n'a rien dit. He didn't say anything. Il n'a rien dit. He didn't say anything. Et Dieu a vu cela, Dieu est en colère. God sees this and he was. Dieu voulait remplacer Élie dans le temple. He wanted to replace Élie. Parce que Élie était devenu un homme qui se compromet là dans le péché de son propre enfant. Elijah was compromising himself with beaucoup de gens de Dieu. So many children of God. C'est le message que Dieu nous a donné il y a plus de 7 ans. So that's the message that God has given beaucoup de gens de Dieu élevés dans notre communauté. So many men of God. Sont en train de mourir bizarrement. They are dying strangely. Parce qu'ils savent ce que leurs enfants font à l'église du Seigneur. Because they know what the children are doing in the church. Leurs enfants prennent les offrandes et les dîmes que le peuple de Dieu amène à l'église du Seigneur. So their children are taking the offerings that the people of God are giving. Pour aller vivre de faire des bêtises avec leurs copains. And they will live and do bad things with their boyfriends. Avec leurs copines. With their girlfriends. Ils vont acheter des choses, des voitures et des maisons. They will buy a house. Ils marchent dans la publicité. They walk in the morning. Leurs parents, hommes de Dieu, femmes de Dieu. Men and women of God. Les sachants, their parents, they knew, mais ils ne sont pas en train de réprimer leurs enfants. They are not doing anything to their children. Et Dieu est en train de frapper ce sang de Dieu. God is eating de mort subite. With a sudden pour death le remplacer avec une nouvelle génération. To replace them with a new generation. À cause de ce que leurs enfants font. Because of what the children are doing. À l'église du Seigneur. In the church of the Lord. Et ces enfants-là qui continuent à faire cette vie-là. So those children that are carrying this life. Avec tout. At the time, si ils n'abandonnent pas, if they don't give up, Dieu va également frapper ses enfants. God will also eat those children. Parce qu'ils jouent avec les choses sacrées. Because they are playing with the sacred things. Il y a 7 ans, 8 ans.
C'est un message clair que Dieu nous a donné pendant une retraite. It's the message that God has given us through the retreat. Va vérifier à Kinshasa, tu verras toi-même ce que Dieu est en train de faire. You will see what God is doing. C'est le même message revient encore aujourd'hui. And the same message is coming back again. Homme de Dieu pasteur. Man of God, il est dans une église. You are in a church. Dieu l'a élevé. God has elevated him. Et il est conscient, il est au courant. He is aware and he knows. Que ses enfants jouent avec l'argent du Seigneur qui rentre dans l'église. Children are pour aller faire l'impudicité. Taking the money from the offering to do immorality. Vivre dans l'immoralité. To live in impudicity. Sexual immorality. Dieu. God interpelle ce genre de Dieu. Is calling those children of God. De faire un frein. To stop. Et de reprimander leurs enfants. And to correct the children. S'il faut même refuser de leur donner l'argent, il ne faut pas leur donner. Even if you refuse to give them money after. Mais s'ils continuent à fermer les yeux. But if they are carrying on closing their hands. Dieu va les frapper. God will hit them. Frappera tous leurs enfants. And he will hit all the children. C'est ce qui s'est passé dans la vie d'Élie. That's what happened in the life of Elijah. Dieu a dit à Samuel. God told Samuel, puisqu'il est au courant de ces choses, because he knows all those things, qu'il ne fait rien, and he doesn't do anything, je vais punir sa maison, I will punish je punirai ses enfants. I will punish his children. Et c'est la parole du Seigneur. That's the word of God. Pour prendre son Seigneur. You have to take it seriously. Ainsi parle le Seigneur. So God is speaking. La dernière femme, so the last woman, Elizabeth, la femme de Zacharie, the wife of Zachariah, elle avait aussi une mission à passer. She also had a mission. Elle dit, après la stérilité de l'enfant qui vient a toujours une mission. So after the barrenness, the child that comes. Quelle était la mission de Jean-Baptiste? What was the mission of John the Baptist? Elle se résume en deux mots. It's in two words. C'était pour faire quoi? What was it for? Il est pour préparer le chemin. To prepare the way. Avant l'arrivée de Jésus. Before the arrival of Christ. Et sa prédication était comment? And what is his preaching? En deux mots. In two words. Repentez-vous. Repent yourself. Repentez-vous. Repent yourself. Repentez-vous. Repent yourself. Repentez-vous. Repent yourself. C'était la mission de Jean-Baptiste. That was the mission. Et lorsqu'il a prêché, arrivé à la fin. And when he came to the end. Jésus était présent. Jesus was present. Parce que vous comprenez pas. Someone of us is something. Le corps de Dieu comme stérilité. The school of God as barrenness. N'était pas venu de la malédiction. Doesn't come from a curse. N'était pas venu de condamnation. Doesn't come from any condemnation. Parce qu'il y a un temps que Dieu met lorsqu'il donne une promesse. Because there is a time that God gives you when you are in a promise. Reste fidèle. Stay faithful. Tu es déjà sorti de la voie du Seigneur. If you will be out of the way of God as Sarai. Reviens à la raison. Come back to the reason. Et Dieu va te parler. And God will spare you. It's not by accident que tu écoutes ce message. That you're listening to this message. Even the one that you suddenly by the TV. It's time for you to come back to the parce house. Ta promesse because your promise est plus grande is more greater que ton petit péché. That your small ton sin. Péché. The sin. Ne te donne que le désir chaperon. Only give you the desire of flesh. The promise est liée. Is linked. To your spiritual life. Que Dieu bénisse sa parole. Let God bless. Ne sois pas fermé le roi des rois. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame le roi des rois.